Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 50 de ma campagne avec Tyrion et les Hauts-Elfes dans une campagne de type Empire Mortel. Alors, épisode 50, multiple de 10, il est temps de faire un bilan de campagne. Alors, bah écoutez, je suis assez surpris de ce qui s'est passé au dernier épisode. À la base, il me restait donc à conquérir 8 villes pour la campagne courte, sachant que je devais en avoir 3 ou 4. Et je m'étais dit que j'allais m'emparer de Malphos, une ville Skaven, occupée par le clan Mulder, à cet endroit-là. Il se trouve que, en faisant ça, le clan Pestilien a réussi à confédérer le clan Mulder. Et le clan Pestilien, je suis en alliance avec eux depuis un moment. Du coup, bah, j'ai arrêté ma guerre, enfin, elle s'est arrêtée de fait, à cause de la confédération. Et ce faisant... avec l'alliance militaire que j'ai réussi à obtenir, je suis passé directement en victoire de campagne courte. Sans pour autant déclencher les hostilités avec les nains. Alors c'est ce que je vais faire, et c'est ce que j'ai fait au dernier épisode, et on va continuer ça. Donc l'objectif, vous voyez, ça va être de nettoyer toute cette zone gris foncé là. Avec 2-3 armées qui vont... deux elfes qui vont se balader là-dedans. Et puis ensuite... cette poche et ensuite descendre vers le sud jusqu'à le fin fond du territoire nain. Je suis vraiment surpris d'avoir réussi cette campagne courte aussi vite quoi. Donc on va se méfier quand même parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'attaque du chaos, mais elle pourrait revenir hein. Donc on a toujours des armées qui sont en faction, on en a 3 je crois Ultuan actuellement. Et donc voilà, la zone gris foncé est celle qu'il faut détruire. Alors, pour faire suite à les discussions incessantes qu'on a avec avec des youtubeurs ou des gens sur ma chaîne, Teclis, quand il a démarré, il était là. Alors, il se trouve que la géographie entre une campagne Vortex et une campagne de type Empire Mortel n'est pas la même. Dans une campagne Vortex, l'île de la Tortue est par ici. Ici vous voyez qu'il n'y a pas d'île de la tortue. Par contre il y a cette zone ici qui s'appelle le serpent qui fume et la tour des étoiles surtout. Et donc Teclis doit commencer ici dans une campagne de type empire mortel. Bon, il se trouve que dans ma campagne il s'est fait tuer comme sa faction. Donc je ne l'ai jamais vu. Enfin voilà, donc bah, écoutez, c'est parti pour la reconquête du nord. Et direction après le sud. Donc, on va commencer par Tyrion, qui venait aider... Ah non, je devais passer le tour, c'est ça? Oui, ok. Allez, on passe le tour. Donc attention quand même, hein, les nains sont, voilà, ont plus d'armées que moi. C'est une très grosse faction. Normalement, ils sont attaqués à plusieurs endroits. C'est ça, notre force. Donc il faut qu'on réduise toutes les poches de résistance de nains. Et qu'on resserre les taux. Mais tant qu'on les attaquera de différents endroits, ils pourront pas concentrer leurs armées au même endroit, et ce sera donc favorable pour nous. Donc attention. Vous voyez là, les armées elles sont vraiment au sud. Ok, vous voyez là, c'est les Skaven qui en prennent plein la tronche. Tant que les Skaven résisteront, et ben, je serai assez tranquille. Vous voyez qu'on voit les armées là, naines. Hein. Il y en a 3 sur l'écran là. Le clan Pestilien désarmé ici, hein, donc le choc va être vorace normalement. Alors du coup je me suis emballé, j'ai fait un épisode d'environ une heure la dernière fois avec cette fin de campagne courte. Je vais essayer d'être plus court ici, de faire une bataille manuelle au moins, mais un épisode plus court. Avec les fêtes j'ai aussi un peu moins de temps. Ok, donc là, on va commencer à parvenir idée ici. Allez. Donc on travaille par province, c'est-à-dire on chope les villes. On va faire de l'intégrité ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les ressources sont déjà faites. On va peut-être détruire ce bâtiment-là. On va faire ça. Oui, on va détruire ça.
Et ensuite, on va... créer ceci. Donc toi, tu vas rester un petit moment par ici. La barre bleue, c'est fait. Donc on va faire comme on le fait généralement, Isha. Tyrion va enchaîner. Donc là, j'ai positionné des agents. Pour éventuellement voir si des armées naines arrivent ou pas. Alors, on enchaîne sur quoi après? L'assemblée, Bed Bankies et Fjord des Trolls. Ouais, je crois qu'on va revenir vers l'ouest. Alors j'espère qu'il n'y a pas de Skaven ici d'ailleurs. J'ai pas pensé à cette possibilité là. Donc là, on attaque Marienburg. Toi, on va descendre un peu ici. Donc toi, tu vas venir aider. Donc Bitbali est encore... et Magritta sont encore au Skaven, donc il n'y a quand même pas trop d'inquiétude à avoir. Bon, je pense qu'on va créer une armée, en fait. Donc j'ai effectivement des armées qui sont pas tellement occupées hein, pour l'instant, vous l'aurez remarqué. Mais comme il y a toujours des factions qui renaissent de leurs cendres, ou des révoltes, ou des choses comme ça. J'ai tout fait là. Moragnon, Laya, Achelan, Kisht, Veln. Ok. Quelle... Bon, celle-ci est pas terrible comme armée. Il faudrait d'ailleurs que... je vais virer ça. Et je vais donner deux balistes ici. Et ici, je vais créer une autre armée. Donc ça, c'est pas terrible. Alors j'ai pas mal de points, donc peut-être en profiter, mais je suis pas très fan des princesses. Je crois que je vais prendre celui-là. Hein. Ah, c'est pas mal aussi ça. Allez, on va faire celui-là d'abord. Mais l'autre, on le fera aussi. Comme il va recruter, on va bien sûr lui prendre ça. Alors, maintenant, on va très très loin au niveau de l'expérience. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va... quand on aura de nouveau de l'argent, on complétera ça. Alors, j'ai pas regardé. Ouais, donc on va tout de suite détruire ça. Évidemment, j'ai retiré l'armée tout de suite, donc c'est un peu normal. Ici... alors ça descend aussi. Alors je crois que on va aussi on va détruire ça. J'ai plus besoin d'ordre public que de croissance. Je sais pas pourquoi ça descend ici, j'ai l'impression que c'est curieux. Ouais. Là, forcément, la ville, elle est un peu toute seule, ici. Puisque le clan des Berserling appartient aux Skaven. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est bien. On passe le tour.
Donc voilà, toute la zone bleue là, il faut qu'on s'en débarrasse. Sinon, ils pourront créer des armées sur ces zones-là, enfin s'ils ont des capacités de recrutement, ce que j'imagine. Et on sera toujours embêté. Donc il faut être méthodique et travailler du nord au sud. Attention, non, c'est encore très loin. Chaque fois que je vois la caméra se déplacer avec les nains. Ouais, Scarron va être attaqué là. Alors ce qui est marrant, c'est que les nains effectivement font une incursion chez le territoire des Skaven, mais les Skaven sont aussi chez les nains. Donc tout ça, ça va sûrement être profitable pour mettre la pagaille dans cette région. Alors j'ai pas vraiment regardé ce que valaient les armées du clan Pestilin actuellement. Il y en a un certain nombre, mais est-ce qu'elles sont efficaces? Je n'en suis pas sûr. Ok, alors on va commencer par ce qui va mal en termes d'ordre public avant de dépenser des sous pour mon armée. Ok, donc ça devrait être bon. Terre désolée ici, on va faire pareil. Ici on va le faire aussi d'ailleurs. Voilà, je dépense tous mes sous, mais c'est pour la bonne cause. Alors ici, on va le faire aussi. Ok. Donc du coup, l'armée que j'étais en train de construire, de constituer, pourra pas être complétée tout de suite. Donc, ça c'est le bûcher. L'hôtel c'est là-bas et le conclave c'est ici. Ok, je pense qu'on va y aller à deux. Donc on va prendre. No mercy. I am ready to fight. Le bûcher. Toi tu peux bouger, donc c'est parti. Donc il n'y a rien toujours ici. Non, il n'y a rien. J'ai pas l'argent. Ok. Ça attendra un tour de plus. Donc. Toi, faudrait bien que tu chopes des agents ennemis. Alors, ça sert à rien qu'on a tous les deux par là. On va peut-être revenir par ici, en fait. Alors, on avance vers Marienbourg. Écoutez, je suis pas pressé. On va laisser le temps passer. Toi, rien de spécial. Toi, tu fabriquais. Alors du coup, peut-être que toi, je vais t'emmener plus tôt que prévu en fait. Non, rien de spécial ici. Ah, je le crois pas, hein.
Bon, je crois que c'est bon, on a bougé tout. Sauf ceux qui étaient en train d'être en garnison. Voilà. Allez. À un moment donné, il va falloir que je ramène Tyrion par ici, parce qu'il va certainement y avoir une contre-attaque des nains. Malagor est toujours là. Allez, rends-moi la main. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a les arbres du chaos qui se baladent. Ok, donc on va commencer dans l'ordre. Est-ce que je y vais tout de suite ou pas? Non, on va... On va attendre de se remettre. Donc ici on a dit qu'il n'y avait pas le feu. Là non plus. Loyal prince, your orders are reasonable. Alors toi. Azor lady. Azor we fight. I like the way. Borders. Du coup, on repart. Alors, Tyrion, tu vas aller par là. Et toi, tu vas aller par ici. Non, pas d'armée pour l'instant dans le coin. Alors, je crois que c'est bon. Gemariel, Deloria, Moragnon, tout ça c'est bon. Il n'y a rien qui bouge. Ok, alors. Au niveau de l'ordre public, on va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Et ça tout de suite. On a besoin de murs. Là, ça va, on a de la marge. Là, ça va s'arranger tout seul avec les bâtiments qu'on a créés. Là, de même. Là, par contre, je vais arrêter d'imposer, ça c'est sûr. Et là, c'est pareil. Ok. Bon, j'ai raté sûrement un truc. Alors, c'était peut-être une montée, d'ailleurs, non? J'ai pas eu le temps de voir le message. Non, bon. Allez, c'est pas grave. Plus d'armées que moi. Donc ça veut dire qu'eux, ils continuent à en créer, mais ils ont telle capacité que c'est assez simple. Alors vous voyez la zone verte, hein, les scavens se baladent un peu chez les nains. Donc j'espère que ça va faire reculer les armées des nains, et qu'ils vont pas tout de suite monter vers le nord le temps que je finisse Norska. Et puis voilà, j'aimerais bien faire cette ligne là, et ensuite descendre toutes mes armées au sud.
ils ont rasé une ville Skaven. Alors ils auraient pu l'occuper, c'est étonnant qu'ils fassent ça. On va aussi faire un petit tour en diplomatie, voir si nos consignes ont été entendues ou pas d'ailleurs par nos alliés. Alors, qu'est-ce qu'on avait à faire? Par ici, pas grand-chose. On n'a pas de cavalerie, ou presque. On va faire ça. Bien. Alors, on commence par... Donc voilà, déjà, là, c'est stable. Ok, allez, c'est parti. Donc ici, on a Tyrion qui va attaquer ça. Est-ce que je fais la bataille? Non, non, on va pas faire ça. Il me reste l'hôtel, et l'hôtel c'est là. Voilà, on progresse province par province. Et on va mettre de l'intégrité, parce que je suis pas trop où on en est actuellement. Toc toc toc, tout ça c'est bon, on va prendre... le coursier et l'hôtel des enfants, j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Ah, ça c'est bon. Alors, il y a le camp des Vargues. Ok, bah écoutez, on va continuer avec lui sur la côte pendant que Tyrion ira là. Après, on a notre ami ici. Je crois que je vais le faire encore attendre un tour. Defender of the Phoenix Throne. No mercy. To war. Non, il n'y a vraiment rien qui presse. On va pas rigoler Clément, ça je vous le dis moi, on va être sérieux. I serve the king, prince, across the waves. I serve the Phoenix King. Landing. Princess of the Azur, in defense of Ulfhorn. Donc c'est quoi, campement, baie des larmes, ah ouais, c'est ces trois. Ouais, donc peut-être que Tyrion va prendre les trois et reviendra là-bas pendant que les autres s'occuperont du reste. Hein. J'hésite en fait. Donc Guémariel, Deloria, Moragnon, Zenoria, tout ça c'est normal que ça bouge pas, ça aussi, ça aussi. Aaron, il recrute. Toi, est-ce que tu vois quelque chose de particulier? En fait, tu vas aller dans ce défilé là.
Alors, je pourrais essayer de contrer ces agents là, mais ils sont en train de s'occuper des villes naines. Alors, je préfère venir ici. Ce qui m'intéresserait serait de se choper un agent nain en fait. Ok. La musique est vraiment super aussi dans ce jeu. Ouais, il faut que je prenne le château d'Artois parce que les elfes sylvains n'ont toujours pas fait. Hein. Alors j'ai aussi une de mes armées qui pourrait peut-être prendre Lyonnais et Moussillon en traversant Dultuan en fait. Je vais peut-être faire ça. Ok, Scarogne est tombé, Tobaro est tombé. Donc là, ça veut dire qu'ils vont remonter vers le nord. Donc j'ai intérêt à me préparer. Donc ça veut dire que les villes, là, je les ai pas. Hein. Je les ai plus, les 8 villes de la campagne courte. Mais c'est pas grave, on va les reprendre. Allez, donne-moi la main, là. Allez, on enchaîne. Bring me battle. Niveau 3. Ça, on va le supprimer. Alariel's champion. Marching out, Guardian. Not possible. Forward then. Off I go. Donc du coup tu vas rester là toi. Donc là on est toujours pas prêt je pense. Alors par contre là on y va. Alors toi je pense que je vais te faire traverser. Tu vas peut-être aller prendre Lyonnais et Moussillon. Donc toi, t'es bien là. Toi, pour l'instant, on va pas recruter. Alors toi, ici. Ok, j'ai chopé un trésor alors que j'avais pas franchement prévu de m'en occuper. Ok, ok, ok. Allez, la priorité c'est l'ordre public. Donc, alors ici ça commence déjà à remonter, donc je vais au moins faire ça pour accentuer. Mais là c'est pas bon. Mais je peux rien faire. J'ai déjà fait. On va faire ça parce que c'est quand même très exposé. Je suis pas sûr d'avoir optimisé l'utilisation de mes sous là, mais bon. Parce que ici aussi, il faut qu'on s'occupe de l'ordre public. Ouais, je pense pas que ce soit nécessaire parce que. Dans 4 tours, je serai largement positif. Il y a les rangs de grade à prendre aussi.
Allez. Allez, que je trouve une bataille pas trop mal et que je stoppe là. Attention, la caméra elle est allée un peu moins loin que d'habitude. Donc ils sont au niveau de Grunburg. Donc là mon agent, il va peut-être pouvoir essayer de mettre la pagaille là. C'est pour ça que Tyrion, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps sur la banquise. Il faut qu'il revienne un peu au sud vers Kislev là, pour attraper ce genre d'armée qui arrive vers le nord. Justement, on va commencer par là. Ouais, je pense pas que je puisse l'attraper, non. Donc toi, ouais, tu vas rester là pour l'instant. On va prendre ça. Non. On attend. Où est-ce que je t'emmène? Je crois que c'est parti. Tiens, tiens. Des elfes noirs. Alors, Tyrion, est-ce que tu peux choper ça? Je ne pense pas. Allez, il va falloir que je passe un autre tour. Moragnon, etc. Tout ça, c'est bon. Alors, ordre public. Couronne, ça remonte. On va marquer le coup. Montagne, machin, c'est pas bon. Ici. On va faire ça. Terre désolée. Ah, c'est peut-être pas la peine puisque dans 3 tours c'est réglé. Hein. Je vais pas dépenser des sous ici. Par contre là. On va faire ça. Même si ça n'a pas réglé mon histoire. Alors si, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est mettre de la croissance. Qu'avec la croissance, le bâtiment augmentera plus vite. Et je pourrais passer au niveau d'après en termes de d'ordre public. Bon, bah écoutez, on est bien. Allez. Donc Tyrion va vite revenir. Ah, c'est lui que j'ai pas bougé. J'aurais dû bouger cet agent pour attaquer cette armée là. Les villes changent de main là. J'espère que cette armée va pouvoir atteindre celle-ci et la détruire avec
l'armée qui est la garnison, ça devrait peut-être être possible. Je suis pas sûr que ça ait marché, hein. Faudrait que je regarde ça, là. Alors, toi, j'ai dit... Awaiting orders. Setting the pace. Ouais, on fera ça tout à l'heure. Ouais. Alors, je vais vérifier ça avant qu'il soit trop tard. Donc, tout va bien. Ça va un peu moins bien. Là aussi. Yes. Alors, on est parti pour Tyrion, donc Tyrion il enchaîne. Kill them. I am ready to fight. Protector of the Everqueen. Par où on descend là déjà? Ok, visiblement par là. Là on fait le tour. Ok. Peut-être qu'un jour ils arrêteront de me piller. Ah ouais, pourquoi je suis obligé de garder des armées un peu partout pour contrôler un peu le territoire. Donc ça, ah, c'est deux armées Skaven là. Ah, vous voyez, c'est... ce sont pas des très bonnes armées hein, quand on regarde ça. Ok, ok. Bon, je sens que je vais être obligé d'arrêter. Et je suis désolé, j'aurais pas fait de bataille en manuel. Mais là, je pense que l'épisode va être assez long. Non, ça j'ai dit que je le faisais pas. Donc, couronne, ça monte. Ici c'est à 0. Donc ça c'est très bien. Ici ça va s'améliorer. Non, on va pas faire ça du coup. Là on peut, donc on va pas se gêner. On a de l'argent, donc faut pas négliger le volet économique, ni le volet sécurité. Ah. Ah, ah, ah. Ça, ça pourrait être pas mal quand même. C'est 8100, je les ai pas. Bon, dans tous les cas, je vais regarder où j'en suis, mais je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode.
Je crois pas avoir fait de bataille manuelle, bah désolé, je me rattraperai dans les prochains épisodes. A très vite pour la suite.